Ange Akawa, coordonnatrice de la cellule de base de l'Aigle fédéral Mohamba de la Ligue de Femmes du PPRD et vérificatrice à la direction urbaine de finances, voit le jour dans l'ex-province de Bandundu. Elle est mariée à Jacques Akawa depuis plusieurs années. Elle a fait ses études à l'Institut Malako dans le Bandundu où elle a obtenu son diplôme d'État. Elle poursuit et finit ses études supérieures à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa. Ange est une partisane de la parité hommes et femmes. Une femme, c'est une aide. Elle est aide par rapport à son foyer, par rapport à son mari surtout. Mais si je suis politicienne, c'est par rapport à mon pays pour que je puisse défendre les femmes, pour que je parle aussi des femmes. Et leur et dire comment elles peuvent se comporter. Moi, je suis et la candidate malheureuse, mais je cherchais quand même à être là pour défendre aussi les femmes et que, qu'on puisse considérer aussi la femme. Ce que la femme dira, qu'on puisse aussi la prouver. Cette année, le mois de mars a pour thème sur le plan national congolaise et congolais, levons-nous pour le droit des femmes. Pour Ange Akawa, les thèmes ne suffisent pas, il faut passer aux actions. Ce sont ces masses, ceux qui ont compris, ceux qui ont du courage, comme nous autres, et qui peuvent s'élever pour dire que je suis une femme. Moi aussi, je peux. Avec tout ce que j'ai comme capacité, je peux aussi être comme un homme. Reconnue pour ses prouesses et sa ténacité, cette dame des fers nous parle du secret de son succès. Femme des prières, ménagère, bureaucrate, mais aussi entrepreneuse, Akawa Ange souhaite voir les femmes congolaises en général, et kinoises en particulier, gagner les combats de l'autonomisation de la femme. Oui, dans la politique, en tout cas, j'ai comme référence Maman Jeannine Mabunda. Vous voyez, elle est parmi les hommes. Elle est d'ailleurs la présidente de l'Assemblée nationale et elle est politicienne. Vraiment, moi, je l'apprécie. Or, aux filles mères, qu'elles ne sous-estiment pas. Parce qu'en étant mère, ce n'est pas la fin du monde. Mais tu peux quand même faire quelque chose qui va te rendre quand même utile dans la société. C'est que tu dois chercher à te battre, même vendre. Là, ça te donnera la force. Et si les hommes sont là, ils vont voir que cette femme quand même travaille et donne le meilleur de ce qu'elle a. Ange Akawa plaide pour l'émancipation de la femme et interpelle le gouvernement à créer des emplois propres aux femmes. La fédérale Mohamba de la Ligue de Femmes du PPRD exhorte les Congolaises à militer dans le parti politique et à dominer la classe politique RD congolaise et tous les autres secteurs.